Une fois par mois, Ciné Attaque, Images Mouvementées, le collectif militant en charge de la programmation du festival du même nom, organise des projections sur des sujets sensibles à Paris. Le 14 septembre dernier, en partenariat avec l'association France-Palestine Solidarité, la FPS, il était question du complexe militaro-industriel israélien et du succès des ventes d'armes israéliennes à travers le monde. Un succès qui s'explique largement par le fait que la démonstration de l'efficacité de ces armes est faite grandeur nature, à l'encontre des populations palestiniennes des territoires occupés. Nous sommes le 14 septembre 2015, je me trouve au 7 Parnassien pour la projection du documentaire The Lab, réalisé par Yotam Feldman, jeune réalisateur israélien qui a osé s'interroger sur les problèmes de l'armement dans son propre pays. Alors vous allez voir, c'est pas joli joli, et ça non plus. Mais c'est mieux que le bruit d'une bombe quand même. Pourquoi les armes israéliennes sont-elles si demandées? La technologie de ce pays est parmi les plus avancées au monde. Quand Israël vend une arme, elle a déjà été expérimentée. Cette expérience fait marcher l'économie? Ça rapporte des milliards de dollars au pays. Vous demandez le rapport entre ce film-là et la Palestine. Il est très simple. Les armes que Israël fabrique, ils expérimentent sur les Palestiniens. Israël est devenu au fil des années un important fabricant d'armes. Et pour pouvoir rentabiliser la production d'armes, il est devenu aussi un exportateur important. Il vend donc beaucoup dans des pays émergents, notamment l'Inde, le Brésil, aussi des pays ou des dictatures, je ne sais pas quel mot employer, mais des régimes en tout cas très autoritaires du monde arabe, dans le Golfe notamment. Pour pouvoir vendre facilement, ils sont prêts à beaucoup de coopération avec les États qui veulent acheter leur technologie. L'Union européenne, théoriquement, en tant que telle, n'est pas une puissance militaire cohérente. C'est l'addition des 27 puissances, des 28 puissances nationales. Mais elle a mis en place tout un tas de programmes de recherche et de développement dans lesquels Israël a une place particulière et est le seul État non européen à piloter des programmes de sécurité. Au niveau des exportations d'armes, bien sûr qu'Israël n'est pas le seul. Il est plutôt à la cinquième place. L'exportateur le plus important reste les États-Unis, suivi de la Russie, du Royaume-Uni, de la France, qui est en quatrième position. Ce qu'ils veulent, c'est pas instaurer la paix au sens où, effectivement, les sociétés peuvent cohabiter, vivre ensemble, mais c'est où eux, ils peuvent imposer leur logique. Ils peuvent récupérer les matières premières comme ils veulent. Ils peuvent exploiter cette région-là. Ah, c'est complexe tout ça. Alors, on pourrait penser que seul le gain et le pouvoir sont les moteurs de ces personnes qui se cachent derrière le système des armes. Mais quand on va plus en profondeur, comme le fait le réalisateur, on s'aperçoit que... Certains disent, c'est mal de vendre des armes. Chacun a son idée. Le bon, c'est moi qui veux vivre en paix et protéger mon pays. Et le méchant est celui qui n'est pas d'accord avec ça et entreprend des actes dans le but de détruire ma foi dans l'État et les vies de ceux qui me sont chers. Alors Patrice, avez-vous une solution à proposer pour remédier à tout cela? Nous, les solutions qu'on pense au niveau de l'Observatoire des armements, pour pouvoir avancer sur les choses, on sait bien qu'on ne va pas déclarer la paix du jour au lendemain entre les hommes, c'est déjà qu'ils puissent avoir des débats sur ces questions-là. Même les parlementaires qui sont censés contrôler l'action du gouvernement ne sont pas au courant. C'est le gouvernement tout seul qui décide. Donc il faudrait déjà au minimum que collectivement, on décide ensemble des choses. Les armes contribuent à l'augmentation des conflits, à rendre ces conflits plus meurtriers par rapport aux populations. Mais on sait bien qu'ils ne sont pas la seule cause des conflits. C'est cette volonté des hommes de dominer l'autre. Que dire, que faire après tout cela, à part espérer que ceux qui appellent à la paix l'emportent un jour sur ceux qui appellent au conflit, que ce soit pour des raisons économiques, politiques ou religieuses. Peut-être que la colombe l'emportera sur les pompes. Bien sûr, Israël est loin d'être le seul pays à profiter de conflits pour tester ses armes devant ses futurs clients.
Mais Israël a poussé cette logique monstrueuse à l'extrême en maintenant toute une population dans une véritable prison à ciel ouvert, la bande de Gaza, l'un des territoires les plus densément peuplés au monde, qu'il lui plaît d'utiliser comme champ d'expérimentation sanglant. On se souvient des massacres liés aux opérations militaires plomb durci et bordure protectrice plus récemment. Une seule solution, le boycott.